Voilà, voilà. Et voilà, mon Dieu, on aime le pain. Нравится хлеб. Arrête de prendre les consommes, c'est bon. Tu l'as trompé, c'est bon, regarde la vidéo. C'est faux. Tout ce qui s'est passé, c'était faux, c'était une illusion. C'était une illusion. Vous êtes prêt à intervenir et vous mettez un tout petit peu plus de dynamique. Okay. Peut-être pas forcément trop rapide, mais vous y croyez. Hello, my name is Luna. Question for Lucky. How do you feel when you see the Earth from space? Hello, my name is Mohamed. Question from biology. Has the cultural diversity of the crew any effect on the life in space ever? Moi, je suis juste la directrice du musée, vous savez, je fais juste en sorte que le musée soit ouvert tous les jours à 10h, fermé dans de bonnes conditions, et que globalement, à l'occasion de ce contact radio avec Paris, entre les élèves de l'école de Théodore Monod et l'ISS. Il doit s'accrocher, mais voilà, sur la gauche, vous avez le poste de radio, et comme Jules tout à l'heure, on a le... Mais en tout cas, on vous entend. Je vous ai montré la salle. Et mes frères et sœurs, ma sœur est en RH, mon petit frère est en terminale aujourd'hui. Enfin voilà, j'ai pas forcément de figure proche sur qui me fier. Et donc ça peut parfois être voilà, peut-être plus compliqué parce que les ingénieurs qui ont la main sur la forme, les choix architecturaux, les choix technologiques de chaque élément, système qui va aller ou où. C'est grâce à lui que tout ce qui s'y tourne et ce qui passe dans la radio passe fort et clair et que l'astronaute pourra nous entendre correctement. Donc j'appelle. Alors, j'appelle pas sur la scène, mais dans ma semaine dans l'ordre, s'il vous plaît. Alex. Uniquement la voix de l'astronaute dans le récepteur. Alors, on vous demandera de faire en silence, évidemment. Tango Mike 2, Wendy, Sierra, Sierra. This is Tango Mike 2, Wendy, Sierra, Sierra, 2 meters. Oscar Radio 4, India, Sierra, Sierra, this is TM2ISS, copy. Roger, Roger, R4ISS, this is TM2ISS, thank you very much for replying there. We are here with the middle school college Théodore Monod, and we are approximately 150 people here in the room. They're already hyped for this event there. And we are reading you very clear. How do you read? Over. Loud and clear from the International Space Station. Welcome aboard. Thank you very much.
much. I really appreciate it. So now we can start with the questions. So I'll pass you the mic again, and then they will start. Over. Copy all. Let's go. Over. Let's go. Hello, my name is Alexia. Could you describe your feelings when you first took off Earth? Over. Wow, I don't think there's enough words. Hello, my name is Dunya. How do you feel when you see the Earth from space? Over. The Earth from space is incredible. There are just so many feelings that occur, but when you get to see just how thin our atmosphere is and the different colors of the atmosphere, and my favorite part is just watching sunrises and sunsets over and over again. Over. Pilote de ligne, pilote de chasse, il faut être pilote et il faut une condition physique impeccable parce que comme vous l'avez vu, Thomas Pesquet, même Thomas Pesquet, quand il est revenu sur Terre, eh ben, il avait un comportement cardiaque. Vous avez déjà vu les lives d'ISS sur YouTube, et des fois vous pouvez effectivement voir quand il y a beaucoup d'activité solaire, des aurores boréales depuis l'espace, et c'est très 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 intéressant parce que voilà, là ça prouve à tous les platistes que la Terre est ronde déjà. Moi j'ai pas la balle. Encore. Voilà encore. Je vais m'en douter la place. Aïe, t'es déni.